c'est VDEST, une organisation qui se trouve ici à Paris et qui a pris la tâche de prendre des gros talents en France, tels que Garou, Patricia Cass, et de les amener en Russie, même Johnny Hallyday, pour faire des immenses concerts en Russie et en Ukraine et dans les pays de l'Est en général. C'est juste incroyable parce qu'il travaille avec les orchestres symphoniques d'une façon avec beaucoup de passion. C'est nos deux producteurs, Boris et Tatiana, c'est des vrais passionnés. Et Boris est un musicien également. Et on travaille super bien avec eux. Très très bien. Et ils ont eu cette idée. Ils nous ont convaincus en nous ont écoutés. Ils avaient enregistré la Sa Symphonie et Tatoumant en version symphonique. On allait en studio pour écouter, pour enregistrer des voix. Et puis après, ils nous ont dit, bah voilà, on a une première tournée de 5 dates à Saint-Pétersbourg, à Kiev et à Moscou. Ok, on arrive. Ça nous a surpris d'autant plus que les premiers concerts sont faits en Ukraine et en Russie où on était quasi inconnus, à part une basse fan qui nous suivait sur Internet. Donc arrivé là-bas, la seule chose qu'on avait, c'était une basse fan et puis une campagne d'affichage. Et donc il a fallu faire le buzz. On a fait un petit peu de promo, on est allé à la télé, on a rencontré les gens. Et puis ça a pris, ça a marché, à tel point qu'on a refait une deuxième tournée 6 mois après. On a joué au Kremlin. Incroyable. On les a entendus jouer dans un silence religieux. Ils nous ont montré tous les arrangements. Et c'était vraiment un des moments de la vie qui vaut la peine d'être vécu, parce que là on s'est rendu compte du respect et de la passion que ces gens ont quand ils jouent la musique classique et la musique moderne en classique. Après, nos chansons, elles étaient juste sublimes. L'arrangement était digne des plus grands projets que vous puissiez vous imaginer dans le monde, voilà. Et on a compris que c'était un spectacle au niveau international. C'est pas tant qu'on propose des choses que, comme c'est du live, ça change tous les soirs. Donc l'orchestre est calé, mais il y a un chef d'orchestre. Et donc ça dépend de ses émotions, ça dépend de son ressenti et d'une autre au même moment. Ça évolue tous les soirs, c'est du live. Non, moi je trouve ça même un peu moins fatigant que de faire la comédie musicale où on doit passer du théâtre, donc la voix parlée. Et le jeu en plus, au chant, où la voix est complètement différente, où le placement de la voix est complètement différent. Et là, c'est. Et puis on a un micro-main, alors qu'avant on avait un micro-casque. C'est assez déroutant ça, le micro-casque. Avec le micro-main, on joue avec la distance, c'est un peu plus libre. C'est particulier parce que c'est vraiment du vrai live et c'est plus intense. Je n'utiliserai pas le mot fatigant, c'est plus intense. Parce que moi, ce qui me fatiguait sur le Mozart Opera, c'était les déplacements. Les courses, c'était les jambes qui me fatiguaient en fait. Devoir se recadrer, devoir faire une scène où tu pleures la mort de quelqu'un et après se recadrer dans l'espace de quelques secondes que temporellement ça représente genre une journée, comme ça, etc., dans l'histoire. Et te retrouver tout nickel après en train de chanter un morceau. Ça met la pression à la première. Ouais. Là, ça approche à grands pas. En effet, on devait faire cette tournée au printemps, suite aux événements qu'on connaît en Ukraine. On n'a pas pu faire cette tournée, on a préféré attendre que tout se remette dans l'ordre, plutôt que de prendre un nouvel orchestre. Donc on a attendu, donc ça a reporté, puis là, ça arrive à grands pas. Et on est très impatients, en effet. Le stress commence à monter, surtout si tu commences à parler des dates comme ça. 20 septembre à Caen, en effet. Bah, c'est des moments hors du temps, on a de la chance de faire ce travail-là. Moi, toute ma vie, j'ai rêvé de partir en tournée. Que mon métier, que mon activité principale soit la musique, soit le chant, là, bah voilà, c'est un rêve encore qui se réalise. C'est difficile physiquement, il faut être prêt, il faut être là, il faut être concentré, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est pas la colonie de vacances non plus, mais on s'amuse beaucoup. Je peux pas vous dire les changements entre la tournée russe et française, je crois qu'il y en a, mais je peux pas vous dire précisément. En tout cas. Sur les animations vidéo déjà. Ouais. Oui, c'est vrai parce qu'on a retourné des choses et ça. Ouais, il évolue le spectacle justement aussi. Mais entre la comédie musicale Mozart l'Opéra Rock et Mozart l'Opéra Rock le concert,
il y a des nouvelles chansons. Il y a des chansons qui étaient dans le double album de Mozart qu'on n'a pas mis sur scène parce que, pour les besoins de la narration par exemple. Parce que ça faisait double long, parce que c'était trop long, ou parce que ça marchait pas, le père était déjà mort à cet endroit, donc il pouvait pas chanter cette chanson. Je pense à une chanson qui s'appelle Quand le rideau tombe. Donc voilà, toutes les chansons qui étaient dans le double album de Mozart, le père Europe, là on les joue sur scène. Il y a le Carnivore, il y a Bonheur de Malheur, Quand le rideau tombe, enfin, il y a quelques inédits. Donc pour les vrais fans de Mozart, le père Europe, c'est parfait.